Salut, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui, comme j'ai trop hâte, on va faire un unboxing AliExpress. C'est parti! J'ai plein de sacs et de choses à ouvrir. Alors sachez que c'est plein de petits accessoires pas chers, mais c'est ce qu'on aime sur AliExpress. C'est plein de babioles, utiles ou pas. On va tester ensemble et on va voir si c'est fun surtout. Bon, comme vous le savez, c'est pas d'aujourd'hui, je commande depuis des années, je le dis à chaque fois, mais c'est la vérité. AliExpress, voilà, c'est des pépites pour Noël, les anniversaires. Moi, je passe par là. Tous mes accessoires, mon porte-téléphone, là, tu vois, ça vient d'AliExpress. Après, si vous regardez cette vidéo, c'est que normalement, vous connaissez. J'ai oublié de vous stipuler que AliExpress a lancé un nouveau programme, c'est le programme Choice. En fait, chaque produit où c'est marqué Choice, ce produit sera envoyé exclusivement par AliExpress. Si vous prenez un article où en dessous c'est marqué Choice, le produit sera livré sous 10 jours. Donc, allez, on va commencer par ce sac-là. Il y a environ plein de choses. Allez, première babiole. C'est un porte-papier toilette, il me semble. Mais en fait, j'aime bien, j'aimerais faire, parce que mes toilettes sont à refaire. C'est moche, je viens d'emménager et franchement, la déco, elle est pas ouf. Donc, dans un thème un peu nature et tout. Donc, tu mets deux vis de chaque côté, je pense, quoi. Tu as deux fixations et tu passes ton papier toilette dedans. Je vous mettrai la photo là, vous verrez, c'est voilà. Donc, c'est une corde. Mais ça peut être une bonne idée déco. Si vous cherchez une idée pour thématiser vos toilettes, ou peu importe, peut-être ça peut servir à autre chose. Là, il est un peu tordu, j'avoue. Mais voilà, première petite chose, une babiole pour la déco. Vous savez ça? C'est top, c'est tellement satisfaisant. On adore tous. Oh là là, j'étais pressée de les ouvrir. Ça. Tu sais, alors là, je sais pas, parce qu'avec ma coupe de cheveux, je sais pas si ça va passer. Ça passera pas. Alors attendez, je vais enlever tout ça. Voilà. Si j'y arrive. Voilà. C'est trop ouf ce truc. Ça masse ton crâne. Ah mais non, mais je crois que tu t'arrêtes jamais, quoi. C'est tellement satisfaisant. Donc là, il y en a un jaune et un vert. Donc il n'y a pas de bagarre, mais c'est trop trop bien. Celui qui a inventé ça, franchement. Non, c'est trop bien. Franchement, ça fait tellement du bien. Dites-moi si vous connaissez. Mais voilà. Pour un moment détente. Trop trop bien. Allez, ensuite, on continue. Qu'est-ce que c'est? J'ai pris ça. Donc c'est des pinceaux. Je vais l'ouvrir. Des mini-pinceaux. Ça peut être pas mal, tu sais, pour transporter dans ta valise, toi, par exemple, des mini pinceaux comme ça. Tu les reçois comme ça. Alors peut-être qu'il y avait différentes couleurs, je ne sais plus. Je vais les enlever, on enlève ça. Donc c'est des mini pinceaux. Ouais, moi je pense que je les prendrai quand je partirai en vacances. Voilà. Bon, pour partir en vacances, ça ira très bien. C'est du dépannage. Ou même Léna les prendra, peu importe. Voilà, un petit lot de pinceaux comme ça. On continue. Des merdouilles. C'est quoi ça? Ah! C'est des petits bouchons pour tout ce qui est. Ah non, non, je dis n'importe quoi. C'est des becs verseurs, vous savez, pour l'huile et tout. Alors, il y en a trois. Donc, tu vois, hop, et après, tu mets ça dans ton huile d'olive, par exemple. Tu refermes. Tu peux mettre dans n'importe quoi l'huile de tournesol, l'huile d'olive, pour faire tes salades si tu as un système. Bon, bref. Donc, ça passe par-dessous. Voilà. Et après, tu as juste à verser. Ce que je vais faire, c'est que je vais tester tout de suite, voir si ça fonctionne. J'ai tenté de le mettre sur une bouteille en plastique parce que j'ai pas de bouteille en verre. On va voir un peu si ça fonctionne. Vous avez un système de clapet à ouvrir. Est-ce que ça va fonctionner? Trop bien. Donc là, je l'ai mis dans la bouteille en verre, une Coca-Cola. Hein, j'ai mis de l'eau dedans. Mais pour vous expliquer que ça, là, ça fonctionne bien, ça tient bien. Il reste, voilà. Et c'est nickel, toi. J'adore, franchement c'est trop trop bien. Ensuite j'ai ça. Ah ça, Noam il l'a vu. Alors pour ceux qui le savent, Noam est un accro du bain et plein de jeux. Voilà, le Père Noël il en a ramené. Il adore, voilà, il a 8 ans, il adore jouer dans le bain. Donc j'ai trouvé ça sur AliExpress. Le but, tu sais, c'est un peu comme à la plage. Tu le colles contre le mur, l'enfant prend ça et ça tourne. Et là tu l'hypnotises. Range ta chambre, fais tes devoirs, sois sage avec ta maman, masse-lui les pieds. Non, mais voilà, c'est pas bête. Bon, voilà, quoi que la passoire, il y a des trous. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'installer et je vous montre un peu ce que ça donne une fois avec l'eau, quoi. Donc là, tu mets de l'eau. Attention, et oh, c'est pas Et ça roule? Ouais, t'as vu? Et t'as ce système-là. Bon, tu mets de l'eau et tu peux verser dessus. C'est bien? Ensuite, toujours pour Noam, vous savez qu'il y a des babioles comme ça sur AliExpress. Des pop-it! On adore les pop-it ou pas? Il voulait que j'en prenne, j'ai dit attends, attends, j'en ai commandé sur Ali. Donc voilà, vous savez, c'est des trucs satisfaisants. T'appuies, voilà. Bon, tu mets à plat, tu fais.
Bref, t'as compris le système, tout le monde connaît un peu les pop-it. Les gamins aiment bien et ça détend. Il y a différents modèles sur le site et ça, voilà. Il est quand même assez grand, ça va. Il va le mettre dans son cartable, je suis sûre. Donc voilà, petite chose ludique, parce que c'est vrai que ça détend, ils aiment bien, ça les occupe. Des pop-it. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pris ça pour mettre autour de mon gaz, pour éviter de faire des joints en silicone. En fait, si t'es comme moi, que t'es pas doué, ce système permet de mettre ça autour du gaz. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai pris en gris parce que mon plan de travail est gris. Je pense qu'il y a différentes couleurs. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le mettre. Je vous montre ça tout de suite. Donc ensuite, comme vous pourrez le voir, là, j'ai pas de joint. Ça bouge. Donc je vais essayer le système. Donc là, j'ai mis un côté. Je vais faire tout le tour de la plaque. Donc voilà, je l'ai mis autour. C'est très facile, ça colle bien. Après, on verra le temps que ça tient. Et puis, ça s'enlève facilement au pire des cas. Donc je l'ai mis, voilà, tout autour. Et normalement, ma plaque bouge plus. Ensuite, ah ça, j'étais trop pressée. Est-ce que vous avez connu les pipasses quand vous étiez petit? Comment on appelle ça maintenant? Les graines de tournesol. Mais nous, c'était la marque pipasse. Et je crois qu'à Jiffy, ils font des pipasses. Pipasse, la marque, à l'ancienne. Donc, la petite photo est là. C'est censé, tu mets ta graine dedans et ça t'enlève la coquille. Bon, après, j'avoue, quand tu manges des graines, t'aimes bien sentir le sel, casser, enlever. J'avoue, dites-moi si vous êtes comme moi. Là, tu manges que la petite graine blanche. Mais ça me paraît bizarre quand même que tu passes ta graine dedans et... Comme ça là, et ça tombe en dessus, t'as la graine. Écoutez, c'est bizarre, mais vous savez quoi? On est fou. Je vais essayer. Bon, on se retrouve pour tester ça. Alors, je sais pas si je dois le mettre comme ça et que ça tombe ici ou comme ça. Prends mes graines de tournesol que j'ai grattées à mamie parce que j'en avais pas. Donc, je vais tenter comme ça. Donc, le but, c'est que tu passes ça dedans. Alors, déjà ici, ça tombe. Ça, c'est pas ça. Est-ce que comme ça? Ça ne fait rien. Donc, est-ce que comme ça? Peut-être comme ça. Ah bah oui, ça l'a ouverte. Mais le truc, il s'est barré par terre. Donc, je vais tenter comme ça. Bon, comme ça passe pas. Hop. Je pense que c'est plutôt comme ça. Et là, oui, ça fonctionne. On a la graine. Allez, je tente un deuxième. Alors, attendez. C'est un peu dur, hein. Vous voyez, comme vous pouvez le voir, ça ouvre en deux. Hop, et voilà, il est tombé. Bon, il est où? Il est là. Bon, ça fonctionne, mais sincèrement, c'est pas ouf non plus. Mais bon, c'est un petit gadget sympa. Qu'est-ce que c'est? On va voir ce que ça donne. Là, c'est fourni, il y en a deux. Voilà. Je pense que c'est les mêmes. T'ouvres ça et je pense que c'est quand tu as enlevé le bouchon en liège, ça permet de garder ta bouteille fermée hermétiquement. Ça se dit ça? Ouais, je crois. Tu vois, tu as un système comme ça et ça tourne. Donc ça, je suis contente et c'est fourni, il y en a deux. Donc voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bien appuyé et regardez, j'ai eu peur. Ça tire bien la bouteille. Non, 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 c'est bien hermétique, ça passe plus. T'as plus qu'à le mettre au frigo, donc on va dire je valide parce que ça fonctionne très bien. J'ai ça. Je vous ai dit, c'est une vidéo à babioles, mais sincèrement, moi, je kiffe les vidéos de toutes ces petites choses qui peuvent être utiles pour nous faciliter la vie ou qui servent à nous détendre. Ah oui! Par contre, j'ai fait la teubée. Je vais vous dire pourquoi. Le vendeur en fait plein et je voulais prendre, c'était quoi? Game of Thrones, je crois. Et en fait, je lui ai pas dit. Donc, il m'a envoyé. Vous connaissez? Ouais, je sais, je suis très nulle en chant. Mais voilà, bon, tant pis. Hein. Je vais vous faire écouter. Bon, j'espère que vous aurez reconnu. C'est des petites boîtes de musique comme ça. J'en ai plein. Hein. On a la Casa de Papel, on a Star Wars. Ça, c'est une bonne idée cadeau pour offrir à quelqu'un qui aime bien une série ou quoi que ce soit. Et moi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Ça, alors, je ne sais pas s'il sera très solide. On va le tester, bien sûr, dans cette vidéo. Bibi, elle est asiatique, je vous assure qu'elle morfle. J'en ai un d'action. Et ce qui m'énerve, c'est que le système s'en va. Et chaque fois, je le perds et tout. Le système est accroché, tu vois. Ça, tu mets ton œil dedans. Tu es censé compresser, toi, appuyer, tu vois. Par contre, il s'en va tout le temps, le truc. Ah non, comme ça. Il est en plastique dur, on dirait, ou métal vraiment fin, que ça vaut à long terme. Mais voilà, je vais le tester tout de suite. Donc là, j'ai coupé une aille, tu mets ça dedans, hein, logiquement. Et après, alors, je le fais à une main. Et après, quand tu appuies, normalement,
T'as liké là. Attendez. Voilà, bon, il fonctionne. Hein. C'est le principal, c'est que ça fonctionne. Allez, un deuxième petit sac, je vous ai dit. Hein. Il y a plein de merdouilles. Ça, j'ai trouvé ça trop bien. Je ne savais pas qu'il faisait ça sur Ali. Et toutes les fois où vous prenez des Vinted et tout, bah, je pourrais vous mettre des petits stickers de merci. Bah, merci pour vos achats, merci pour votre soutien. Parce que je sais qu'il y a pas mal d'abonnés qui passent par là. Donc voilà, on a des petits stickers. Thank you. Il y en avait plein différents. Bah, il en manque un. Oh, ça doit être celui-là, là. C'est barré, c'est fait la malle. On sait rien, vous voyez. C'est trop bien. Bon, voilà. Petit truc sympathique. Et puis, ça personnalise un peu la chose. Puis, moi, je les aime bien, quoi. Merci d'être là. Merci de me soutenir. Je le dis assez. Attendez. Merci, les gars. Merci. Il faut le dire. Il faut remercier sa communauté d'être là. Donc, voilà. Je vais mettre des stickers partout pour vous dire merci, merci, merci. Alors, c'est une des fausses plantes pour décorer ma cuisine. Je vais vous le montrer. Vous inquiétez pas tout de suite après. Donc, c'est du faux liège. Hein. Voilà. Certains pourraient me dire, Priscilla, tu peux aller en chercher, il y en a partout dans les forêts et tout. Ouais, mais toi, ça m'évite de ramener des araignées à la maison. Tu vois, on ne sait jamais. Ah, ça sent bizarre quand même. Hein. Ça sent le barbecue. C'est bizarre, hein. Je sais pas, le mec, il s'est tapé un barbecue quand il me l'a emballé, j'en sais rien, mais ça sent le barbecue grillé. Donc voilà, bon, faut le défaire un petit peu. Donc ce que je vais faire, je vais l'installer quelque part et on va voir ce que ça donne. Mais je trouve que c'est assez bien fait. Donc voilà, Léna l'a mis la déco ici, comme ça. Non, ça rend plutôt bien avec le bois, tout ça. Peut-être plus écarter les feuilles, on peut remettre dessus, vous savez, pour que ça monte un peu là. Mais voilà l'effet que ça peut donner. Donc voilà, cette vidéo est finie. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous en voulez d'autres. En tout cas, moi, j'en raffole, j'adore. Je suis comme une gamine quand j'ouvre ça. C'est quoi ce truc? Voilà, des petites pépites qui coûtent pas cher. Tout ce que je vous ai montré dans cette vidéo, je vous mets tout ça en barre d'infos comme d'habitude. Si AliExpress m'a fourni un code promo, je vous le mettrai aussi en barre d'infos. Voilà, n'hésitez pas si vous avez trouvé un truc utile. Ou d'aller faire un petit tour sur le site. Donc voilà, cette vidéo est finie. N'hésite pas à liker, partager, à t'abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao !